précédemment dans Crash Bandicoot 2. Oh putain, les hérissons, putain de merde. Pas les putains de toucher. Ah putain, je voulais aller en haut. Alors ça. Oh joli non. Putain, le fail de merde. Bon, merde. Mais putain, oh là là, et ça commence bien. Wow. Et maintenant... Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Hey, mes louveteaux, comment on se retrouve? C'est Kai sous l'orbite des Jougas. Et nous y voilà pour le troisième épisode de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, sur PlayStation. C'est parti! Allez, j'ai la pêche, j'ai la patate. Ça a chié. Ça a déboulé, ça a explosé ma gueule. Allez. On est déjà à 35% du jeu, putain. On s'approche de la moitié, hein, franchement, voilà. On a bien avancé, quand même. Si, si. Alors, la dernière fois, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons découvert un nouveau type de niveau, le type des égouts. Donc, on a pu récupérer la gemme verte qui était cachée dedans. On a fait Crash Crush, un nouveau type de niveau aussi, avec notre cher ami, voilà, ici, présent. Je sais plus si je peux encore le faire. Oh non, on va l'épargner un petit peu quand même. Birrit, donc du coup. Non, c'est Crash Crush plutôt, le niveau de boule. C'est Birrit, le niveau de petit ourson. Voilà. Et à Crash qui possède. Enfin, on n'a pas pu avoir la gemme de caisse, mais on a pu avoir la gemme de la plateforme de la mort. Gemme de caisse, il faudra l'avoir grâce à un secret. Et Snobbies aussi, nous avons complété à 100%. Donc c'est parti, on va aller voir le boss. Qui sont. C'est des tout nouveaux boss, hein. Ils ne sont pas dans Crash Bandicoot 1. Les frères Komodo. Eh ouais. Petite présentation, hein, voilà, ce sont des dragons de Komodo de cirque. Hein. Boss très facile aussi, vraiment pitoyable. Mais je me souviens quand même que quand j'étais petit, je galérais avec ces bâtards. Hein. Oh! Ça dure longtemps ton truc là, non? C'est pas censé durer aussi longtemps normalement, c'est bizarre. Regarde. Donc deux phases, hein. C'est très facile. Pitoyable comme boss. Ça, hein, pour se le prendre, faut vraiment être con. Hein. Aïe, merde! Je me suis trop approché de lui. Non, je vais voir ce qu'il était en train, ce qu'il allait faire, mais oui. Normalement, il vous coupe au couteau si vous approchez trop de lui. Hop là. Hop. Donc une autre phase, mais bon, ça m'impressionne pas. Hein. Voilà. Boss perfect, enfin bon presque parce que bon, je suis quand même fait toucher avec le masque. Juste parce que j'ai voulu faire curieux avec le mec au milieu. Non, hein, tout s'est bien passé. Voilà. Après le boss suivant il sera un peu moins pitoyable. Même il sera un petit peu chiant quand même. Pas trop, mais un petit peu. Si si quand même. Bien vu Crash. Tu n'as rien à envier au frère Komodo. Mais ce n'est pas le Komodo. Moment de se relâcher. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Oui, mais en attendant, c'est frère Komodo, pas Komodo. Erreur de la version française, mais vous inquiétez pas. Dans Crash Bandicoot 2, les erreurs de version française, les erreurs de traduction, vous allez en voir. Si, si. Même dans le 3 aussi. Ah oui, ici, il y aura une gemme de temps. Putain, on va s'amuser. Là, ça sera un petit peu plus dur. J'ai pris le temps de prendre un petit goûter vite fait.
histoire de bien me préparer, parce que là, ça va pas pardonner. Ok, jusque là c'est cool. Voilà, c'est ici qu'il faudra carburer. Oh putain, non! Je me suis fait coincer sur le bord à cause d'un petit bug de collision. Ça arrive, les bugs de collision sur ce jeu. C'est quand on essaye trop d'abuser des bords. Ça m'apprendra à essayer de tricher. Ah putain de merde, j'aurais dû faire une glissade. Voilà. Bon, 63 vies, je pense pas que je vais les fumer comme ça. Hein, faut pas déconner. Je sais que je peux être nul des fois, mais faut pas déconner non plus. Hein. Même si mon PGMisme est vraiment aléatoire. Hein. C'est quand je décide d'être PGM, là, je deviens. Sinon, c'est que l'aléatoire. Oh, c'est cool, c'est bon, j'ai bien calculé. Oh, 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 on se calme, petit. Hein. Putain, merde, saleté de tourbillon. Putain de siphon, là. Non, non, je veux pas. Je veux pas. J'aurais impérativement besoin d'un masque. Merci. Parce qu'il y a un passage qui sera... où je serai obligé d'avoir un putain de... Oh merde. Bon, j'aurai au moins ça. Là, je suis dans la merde. Voilà, c'est ici obligé d'avoir un masque. Un putain de masque. Bon, ben on recommence. D'accord, ok. Là, c'est ma manette. J'aurais peut-être dû prendre les touches. Enfin, la manette de PS3 que j'ai là. Ça m'aurait mieux aidé. Parce que les touches directionnelles sont moins dégueulasses. Je perds un petit peu de temps par contre. Oh! Pas trop, s'il te plaît. Pas... On se calme. Oh! Putain! Allez, 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 démarre, démarre, démarre! Ouh! Chaud! Patata! Et bon, c'est bon, j'ai pas gaspillé ce masque inutilement. Oh! Je ne veux pas de checkpoint. J'hésite à faire un. Putain! Oh! Oh putain! Oh! J'allais l'avoir dans le cul, mais sérieux! Mais putain, toujours je me fais avoir ici! Ah! Allez! Boum! Démarre, bordel! Démarre! Allez, 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 allez! Nope. Merde! Non, putain! Oh, la fin était juste. Putain! Fuck! Ah, mais dégoûté. Allez, allez, on perd pas de temps là, bordel de cul. C'est bon. Là, j'ai un petit temps un peu plus... un peu meilleur. Ouf. Putain, c'est commando là. Ouh. Ça rappelle le parcours de combattant que j'ai fait lors de mon petit stage en montagne là-bas. On a fait juste qu'une seule fois là-bas. Juste pour découvrir un petit peu c'est quoi la vraie vie de militaire. Sinon on touche pas plus que ça, mais bordel hein, là, ça va pas raconter ma life. Merde. Allez, on va y arriver. Comment je les brain? Comment je me suis auto-brain? Oh là 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 là, mais c'est pas vrai! C'est une catastrophe! Oh, joli! Ah, ça, franchement, c'est rien à dire. Hein.
Oh non, putain. Ah, mais je pouvais. Putain, je pouvais faire un truc classe. Fuck. Non, en fait, non, je pouvais pas. Non. Bon, je vais pas gaspiller mes points de vie hein, non plus. Ça, il faut pas déconner. Oh, les touches de la manette. Non, 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 non. Please, no, don't. Don't fucking fuck with me. Ah! No! Sa mère. Putain. Dirais-moi quand je faisais mes séances de pompe là. Boum. On se concentre, allez. Oh putain, voilà, regardez. Là, j'ai économisé là. Allez, 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 allez. Oui, oui. Allez, pour plaisir, boum. La gemme jaune. Ça fait du bien. Un petit peu d'eau pour se rafraîchir. Et maintenant, on va essayer d'avoir la gemme. Putain, quoi. Ah, je vous jure, bordel. C'était du sport. Hein. Voilà, 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 voilà. Ça rase. Au moins ils sont gentils, à force de fail, donne un masque. Parce que tu fais pitié quoi. En fait ça veut dire que tu fais tellement pitié, vas-y on te donne un masque. Ça le noob va. Voilà. Ça veut clairement dire ça hein. Et vous dites, ah oh, merci, un masque. Ouais. Alors petit truc à savoir, ne jamais montez sur une plateforme de bonus tant que vous n'êtes pas sûr que la TNT soit pétée. Oui. Parce qu'elle peut bloquer l'explosion et donc du coup ça comptera pas. Cool. Voilà. Voilà. Wouhou. La petite musique qui détend hein. Mais c'est le dernier niveau de type rivière. Il me semble, ouais. Oh non, y'a rien. J'ai cru qu'il y avait des caisses, mais non. J'ai peut-être un peu trop forcé sur le coca. Ah là là. Oh, comment je les ai brain. Alors ici, c'est très important de passer par là. Ok. Hop. Oh, les caisses, ils pètent en retard maintenant. Donc. Ça rappelle un niveau de Crash 1 ça. Ouais c'était le niveau avec le facochère, à un moment les caisses pétaient en retard. Ce vieux bug qui me faisait péter des câbles. Et là j'ai GGIM. Voilà. Putain. J'ai perdu du temps là-dessus pour avoir la gemme jaune. Plus jamais. Vous me ferez ça. Plus jamais. Y'a des niveaux encore plus durs qui m'attendent. C'est pas fini les fails, c'est pas fini bordel. Allez, une petite danse, bien méritée. Yuhu. Alors, Zero or Letter. Alors ça c'est un niveau de type égout, mais
J'ai la flame. Bien là, on a un autre niveau avec le petit ourson. Ah, Rotorin. Unbearable. Attendez, il me semble que c'est... Oui, là-dedans. Je pense, hein. Oui, c'est bien là-dedans. On va aller à Beardhound. Allez, dans un passage secret. Eh ouais, je vous spoil un peu, mais voilà. Vous allez voir où il est, Planquille. Youhou! Youhou! Ah, j'adore le petit regard de Crash qu'il fait toujours au début. Oh, what the fuck? Je suis allé dans quoi? Mais what the fuck, putain! Alors celui-là, c'est un joli bug, ça. Bravo. Un bug de collision, mais bon, dans l'écrasement du coup, c'est assez récent. À cette époque-là, 1996, 1995, 17, c'était assez fréquent, ce genre de bug de collision. Dans n'importe quel jeu, même, hein, pas que Crash. C'était les débuts de la 3D en même temps, donc c'est pardonnable. Ah, j'en étais sûr, putain, je le voyais arriver! Je voyais y arriver, putain. Ce brain de caisse là. Pareil, putain. En fait, je sais comment il faut le prendre. Un petit peu en avance ici. Voilà! C'est méthodique. Hop hop, voilà. Ouf. Ouh. Hop là. Les jolis orques. Les petits épaulards. Ouh. Oh, j'ai puté la caisse. Yes. Bon, ça va. Je gère bien les timings. Oui, c'est bon ça. Je croyais que j'allais le rater, mais c'est bon, c'est passé. Les nitros, on évite. Pas bon pour la santé. Et voilà, youhou! Alors, tout d'abord, on va faire ça. Voilà, la gemme. Et direction en arrière. De toute façon, on a tout. Ah merde! Bon d'accord, faudra que je recommence. Va essayer d'être plus prudent, hein! Là, c'est bon. Et le passage secret, comme pour le niveau de Hangout. Moi, je pensais ça. Et donc, on va aller à Aircrash. Bon, allez, on va couper un petit peu la petite danse. Ouais, c'est bon. Alors, Snowgon, on l'a déjà fait. Donc là, on va aller à Aircrash. C'est là où il y a le fameux niveau, le passage secret pour le niveau de rivière, là. Voilà, c'est ici. Alors ici, c'est un gros piège à con, hein. Non. N'essayez même pas de faire ça. Enfin si, vous pouvez, mais sauf si vous êtes un putain de PGM qui a vraiment les touches dans le sang. Vous avez la manette dans la peau. Ok, tranquille, cool. Moi je préfère pas me risquer, moi je connais un peu mon niveau. Voilà quoi. Et voilà. Ce qui va nous ramener au tout début. Normalement il n'y a pas de caisse derrière. Et voilà, on refait le niveau Aircrash tranquille. Oula. Voilà. Oh, sinon. Sinon. Medieval, ça avance. Par contre, je suis en train de tourner en plusieurs parties l'épisode 9. Ah oui.
Parce que bon, voilà, il y a des moments où j'aurais besoin de pause parce que c'est très long à faire ce truc de carnaval à la con là, surtout que je peux fail. Oh là là là. Je pense que je vais en ramasser des fails. On n'en voit pas souvent des fails en Medieval, bah là vous allez en avoir, vous allez être servi là mes potes. Ah la petite musique. Boum. Boum. Alors faites très attention, hein, n'allez pas vite comme ça parce que une fois j'ai été surpris par un putain de bug. Il y a un moment, il y avait une caisse invisible qui n'était pas apparue. Elle est apparue juste bien après. Et voilà. J'ai voulu aller avancer trop vite et bah je suis tombé dans le truc. Et j'ai eu dans le cul. Voilà, petit conseil à tonton Kail. Ça c'est fait. Fouf. Dégage. Alors ici, essayez de bien viser. J'en étais sûr. Putain. En plus mes pieds touchaient à peine le rebord. Oh d'accord, bah je coule avec l'hippopotame please. Allez, celle-là, c'est dans la boîte. Bah orbelote. Ah faites tout simplement faire ça quand même. Pourquoi essayer de faire un aller-retour? Par prudence, je préfère aller comme ça. Comme vous voyez, hein, je suis mort. Je peux plus retourner à la plateforme squelette, mais je m'en bats les couilles. Hop. Au revoir la plante. Ah oui, il faut que je fasse ça. Très important. Hop là. Voilà. Pour ça. Non mais putain ma touche. Oh voilà. La touche qui m'a fait décaler. Ah là ma manette qui recommence à faire des siennes. Non mais je savais hein, je pouvais pas le faire ça parfaitement. Bon là j'ai paniqué comme un con aussi. Pff. Allez. C'est la fête au village comme le dirait mon collègue Steve Player. Voilà, la manette, tu déconnes plus. Merci. Toujours la faute de la manette, comme beaucoup aiment bien me dire. Non mais je vous jure, hein, c'est pas une excuse de la con. Hein. Les touches directionnelles sont vraiment pourries hein, sur les manettes PC de base. C'est vrai que j'aurais dû tourner avec la manette de PS3. Je le sentais venir, ça. Je le sentais. Oh putain, je dois oh fuck. Allez, rebelote. Mais bon, j'ai pas rebelote mon fail non plus, hein. Pas déconner. Ouais. Juste comme ça. Hein. Oh putain. Boum. What the fuck. Voilà, j'ai mal vu là. Faudrait que je revoie ça au montage. Ah, il s'est passé un truc chelou. Et on dirait que j'avais pas touché le. Ah oh, et voilà, maintenant crash qui saute plus. Allez, c'est parti. Séance rage. Putain. Tu m'énerves. Oulala, 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 oulala. Et catastrophique. Ça, j'ai eu le temps. Et bon, et bon, et bon. Allez, vroom. Putain de... Oh non, t'as pas osé faire ça. Putain, t'as pas osé. Oh mais je vous jure. Allez, mais putain, mais j'ai besoin d'un trèfle à 4 feuilles là. Et encore, là c'est pas de la chance, mais là c'est vraiment de la connerie.
Allez, on se concentre là. Quitte à perdre du temps. Pas passé loin là. Le énième fail en plus là, et pas passé loin. Hein. Putain. Oh, il l'a refait. Putain, il l'a refait. Mais merde. Ah, merci le masque. Non, Crash. Non. Non. Tu stop. Voilà. Merde. Donc, prochain épisode, je vais augmenter la luminosité de la caméra. Ça m'aidera. Et puis... voilà. Putain, bordel de cul, quoi, voilà. Devant la fin, quoi, ça me dégoûte. Allez, on se casse. Ah, dégoûté. Dégoûté, quoi. Ce genre de fail, ça me dégoûte. Non, danse pas, c'était... non. T'étais un connard. Crash, Dieu merci. Bon, j'ai piraté l'ordinateur central de Cortex et j'ai trouvé des plans détaillés pour construire un Cortex Vortex hyper puissant et une station spatiale patibulaire. J'en suis pas tout à fait sûr, mais à mon avis, Cortex est en train de le préparer. Ouais, tu peux finir ta phrase? Non, d'accord, bah va te faire foutre. Bon, ben une salle de compléter de plus. Allez. Non, faudra compléter la troisième. Road to Ruin, allez, j'ai envie de vous présenter un nouveau type de niveau. Hop là. Alors, on peut pas avoir... on peut avoir aucune gemme, je pense. Ah si, si, on peut en avoir une. Mais pas la gemme de caisse. Voilà pourquoi. Alors, normalement, il faudra un passage secret pour venir voilà, ici, pour pouvoir activer et revenir par là. Et voilà, faut avoir le passage secret. Mais il existe un glitch. Enfin, avec le Storm Slide Jump, vous pouvez y aller jusqu'au bout. Si, si. Mais je vais vous montrer la petite vidéo astuce pour pouvoir avoir la gemme ici, parce qu'il y a quand même un petit passage avec. Mais une tête de gorille qui nous regarde, mais elle ne fait rien pour l'instant. Road to Ruin, qui est vraiment un type de niveau que j'aime beaucoup, mais qui rappelle beaucoup les niveaux de Crash 1, le niveau où bah, on est dans les ruines justement. Temple Ruins, Jaws of Darkness, le fameux niveau où je pétais des câbles. Attends, il faut que j'examine bien le timing de ce connard là. Putain, il commence à être sombre sur la caméra. Ok, cool. Et voilà, là maintenant il commence à cracher du feu. Et bon. Aussi, une plateforme squelette pour avoir la... une gemme. Donc du coup... bon, j'ai deux masques, je pense bien réussir le coup. On va essayer d'avoir là, au moins la gemme de la mort. J'ai envie de l'appeler. Ah, je peux sauter deux fois de toute façon. Le temps. Dégage toi. Hein? Il s'est passé? Pourquoi la vie est partie? Merde alors. Bah tant pis. Cela dit, j'aime bien le petit fond là-bas, là, avec les trucs de ruines. Franchement, c'est bien foutu. Ça fait penser à un design de comics de bande dessinée. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Commence à faire sombre sa race, putain! Waouh! Vraiment, je demande cette putain de luminosité. Hein. Pire, je ferai au montage. Et je ferai aussi quand je préparerai la caméra pour le quatrième épisode, je pense, ouais. Parce que là, je suis dans. On a l'impression que je suis dans le noir complet, alors que c'est faux. Hein. J'ai bien la lumière, mais la lumière est trop faible! C'est ça le problème. Faudrait vraiment une lumière qui claque. Et voilà, on peut soit crever ou soit aller vers
je sais pas. Ouais, je vais emprunter ça. Ah, ça on peut pas avoir la caisse. Autant y aller direct comme ça. Le cristal il est un peu loin. Oh shit. Au niveau bonus, c'est aussi ma deuxième. C'est mon deuxième. Oh putain, un singe. Oh, nique sa race. Merde. Dis, c'est ma deuxième musique de niveau de bonus préférée. Là, j'ai fait le con. Hein. Putain, j'ai fait tout pour avoir de l'avance, mais finalement, je fais de la merde. Voilà. Ça, c'est un singe fou. Ah merde, j'ai pas eu le cristal. Poc. Bon, on va essayer de faire un retour en arrière. J'ai dit on va essayer. Hein. Eh ben j'ai essayé, je me suis fait cramer. Merde. Il fait de plus en plus sombre sur ma caméra, bordel. Voilà. Ensuite. Voilà, c'était là. Putain. C'est bon. Il y a des vies quelque part. Non. Alors, ramasser un peu de pommes. Un peu de free wumpa plutôt. Putain, il fait putain de sombre sur ma caméra, bordel. J'ai l'impression d'être beaucoup plus noir qu'avant. Là, je suis passé à 60% de mon métis à 99%. Mais bon, ah, il me fait pas trop chier. Ah, ici, il y a une astuce pour passer tranquille sans trop se faire chier par le singe. Bon, moi je passe comme ça. Allez, 44 sur 89, ouais, il y en a encore beaucoup. Hein. Mais c'est dans un autre passage. Où il faudra obligatoirement un passage secret. Ah là là. Oui. Oui. Là je pense que c'est bon. Hein. On va plus revenir. Là c'est bon, vers 30 minutes à peu près. C'est du bon, c'est bien bouclé hein, quand même. J'ai fait ça, les deux gemmes plus le cristal, là j'aime le cristal, là j'aime le cristal, et j'ai aussi eu la gemme de l'autre niveau là, qui m'a vraiment posé problème pour le truc contre la montre. Et sinon voilà. Alors, merci de m'avoir regardé, ce fut un plaisir encore une fois, hein, j'adore ce jeu. J'espère que vous adorez aussi ce jeu, mais surtout que vous adorez ce Let's Play. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Hein, même si c'est pour dire de la merde, allez-y, ça fait plaisir les commentaires. Et puis, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Très important aussi. Et puis partager la vidéo aussi, ça c'est bien. Ça. Faites connaître Kaisul, oui. Dites que c'est vraiment un dieu sur Crash Bandicoot ce mec. Franchement, allez-y. Spammez tout le monde là. Dites, putain, il y a un dieu sur Crash Bandicoot. Putain, mais il est trop fort. Putain, il est trop fort. Pour avoir une gemme jaune, il a tellement galéré. Putain, il est trop fort. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vous jure. Bon. Sur ce, que la foudre du Géoga soit avec vous, accompagnement difficile. Ciao, peace. And lose the next time. See you next time, Crash. Oh, yeah. Bon, comme promis, rendez-vous sur Road to Ruin. Aujourd'hui, on va apprendre à avoir la gemme du niveau sans passer par le passage secret obligatoire pour avoir le passage secret du niveau où il faut passer par un autre passage secret qui est dans un autre niveau. Donc, j'ai pas beaucoup parlé, je vais vous laisser regarder par vous-même comment on le fait. C'est très simple. Donc, ici, on va utiliser la fameuse technique du Storm Slide Jump. Et voilà, à partir de maintenant, on va faire le niveau caché de Road to Ruin, mais à l'envers. Et donc il faudra redoubler de prudence. Mais regardez comment le faire.
qu'on fait bien attention. Voilà. Et après le reste, ce sera tranquille. Donc voilà, alors si vous commencez le niveau pour la première fois, je vous conseille d'aller d'abord faire la plateforme squelette, sans casser aucun checkpoint. Et ensuite, dès que vous récupérez la gemme, vous vous suicidez et vous revenez tout au début. De toute façon, la gemme sera sauvegardée, même si vous êtes mort. Et là, vous faites le niveau tranquillement, tout en récupérant les caisses manquantes du passage secret de Road to Ruin. Et après, vous faites le niveau normalement, tranquillement, jusqu'à la fin, et vous aurez la totale. Donc le cristal et les deux gemmes. N'est-ce pas beau tout ça? Donc cette tactique est très utile quand on est en speedrun, ce qui nous permet de pas aller perdre de temps à aller dans un autre passage secret pour revenir dans Road to Ruin dans un autre niveau, et le temps gagné est franchement pas dégueulasse. Et bien voilà une petite astuce assez sympa, qui pourra peut-être vous aider si vous êtes un speedrunner dans l'âme. Et donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle astuce sur Crash Bandicoot 2.